Et si on part en vacances tous ensemble? Ouais, mais va falloir payer aussi. Comme le disent les jeunes pendant les jobs d'été. Je viens de faire mes calculs. Hein. Je peux financer 3 jours de vacances seulement. Alors moi, si je mange et je dors chez mes parents tous les soirs, je peux partir une semaine. Mais par contre, pas loin, du coup. Non mais ok, je veux bien corriger ton CV, mais tu m'as donné une feuille blanche, là. Mes principales motivations pour ce poste de vendeuse? Présenter, séduire et surtout convaincre. Et la thune, quoi. C'est ton CV. Tu sais, vu le voyage qu'on va se faire, il va falloir que je me trouve un job d'automne. Et d'hiver aussi. Je suis très motivé. On dit que je suis très enthousiaste, que je me plains peu. J'ai déjà dit que j'étais très motivé. Ce qui est cool quand tu bosses avec des gamins, c'est qu'à la différence des cours, bah, tu ramènes pas les devoirs de l'école, quoi. Le paradoxe, c'est que tu bosses pour payer tes vacances. Mais quand t'as fini de travailler, tout le monde est rentré. Donc soit tu pars tout seul, soit tu pars pas. Alors oui, c'est un boulot certes, mais 54. Quand on regarde bien, je suis payé à jouer à cache-cache. Hein. Y a pire. 60. Je sais pas, en fait. Je suis là pour l'été, je vais me renseigner. Monsieur, j'ai arrêté pour le restaurant. Bah, je sais pas trop, je viens de commencer, en fait. Comment vous avez dit qu'il s'appelle, Kevin? Alors moi, je suis nouvelle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ma responsable. Kevin! Restaurant La Chair de Poule, c'est pas cher, c'est juste là. Salut. Allez. Victor. Non. Non, c'est pas Victor. Non. Non mais attends, on dit job d'été. Moi j'ai un collègue, ça fait 15 ans qu'il dure le sien d'été. Qu'est-ce qu'il y a? Mais avec le taf là, je vais louper toutes les grosses soirées de l'été. Un barbecue ce soir? Non mais là je peux pas, moi je poste mon matin. Bon allez, ça marche, à tout à l'heure. Attends, et moi je lui ai dit à ma boss, hein, job d'été, ça veut pas dire de paiement. Hein. Bon, ça a pas marché. Mais je lui ai dit. Ouais, Lola. Et c'est Victor, c'est toujours bon pour ce soir notre petit dîner tous les deux? Ah, j'ai réservé un petit resto, comment? De l'autre côté de la rue? C'est mes potes. Ah non, c'est pas... Là, je suis avec ma mère pour le vétérinaire, ouais. S'il te plaît, tu peux les servir? Je leur ai pas dit pour le sombrero. Tu sais, c'est toujours bien de connaître le monde du travail avant la vie active. Enfin, d'un autre côté, j'aurais bien aimé être pété de thunes et pas bosser. Non mais tu vois, je me dis qu'après une journée comme ça, je viens de financer plusieurs heures de vacances, là. Et ça m'aide à tenir. Allez, c'est parti. On prend la route des vacances. Wouhou!